Ma grande. Ma petite. Ma chérie. Lily. Faudrait en quelque sorte que je te dise tout tout de suite. Pas facile. Vois comme tout s'ouvre. Ainsi sommes-nous. Car nous ne sommes rien d'autre que cette félicité. Ce qui dans un animal était sang et obscurité a grandi en nous pour devenir âme et continue de crier comme une âme. Et elle crie vers toi. C'est Rilke, le début de son chant des femmes aux poètes. La lutte de ma vie aura été pour réunir ce qui avait été séparé, l'âme et le corps. Quand le corps craque et cède, il dit vrai, mon ange. Le cerveau est un organe. Le ventre parle, pense, chante, réfléchit, décide. Soigne ton âme. Laisse-la crier. Apprends-lui à voler. Non, c'est nul. Faut pas mettre ça, c'est lourd. Le problème avec une mère qui claque quand t'as 13 ans, c'est qu'elle devient parfaite. Tu peux pas te rebiffer, renacler, refuser de lui obéir, l'insulter, la traiter de vieille vache qui pige que dalle au problème des Jones, alors que cette révolte est si précieuse. Bref, comme je ne serai pas là pour t'embêter en chair et en os, je voudrais te laisser un portrait de, pas moi ta mère, mais moi une femme. Hyper imparfaite, comme toutes les femmes. Les hommes n'en parlons pas. C'est une blague. En fait, les hommes sont parfaits. C'est une blague. Et il va falloir que ce portrait remplace toutes les disputes, réconciliations, conciliabules, coups de fil, coups de gueule, gueule de bois, bois de fer, fer à repasser. Tu te rappelles comment on s'amusait avec les paillassons somnambules quand tu étais petite, hein? Bref, les milliers de conversations qu'on n'aura pas. Autour d'une tasse de café, d'un verre, près du berceau où dormira ton enfant à toi, ou près de la table dressée pour la fête de tes 20, 30, 50, 65 ans. Lily, ça me fait chier de ne pas être là pour te consoler de tes deuils et tes divorces. Ce qui me fait chier encore plus, c'est de ne pas connaître la suite de ta vie. Ne pas me régaler des histoires que tu me racontes, ne pas répondre au téléphone et entendre ton rire. S'il y a une chose dans ce bas monde qui va me manquer, c'est ton rire. Mais bon, en même temps, ce que je vais te raconter là, ça ne va pas être que rigolo. Non. Deuxième piste, nul. Écoute, amour, ça ne serait pas te rendre service que de te peindre ma vie en rose. D'ailleurs, tu le sais, j'ai toujours détesté le rose. Mauve et guimauve, mièvre et gentillet, tout ça me fait gerber. Sourire niais, bien-pensance, courtoisie creuse. Même tout bébé, je t'ai pas habillée en rose, Eléria. Ma vie en violine serait plus près de la vérité. Violine, j'aime bien. Ok, bref, je commence.
pardon si je dis tout en vrac, c'est un stage intensif en quelque sorte, formation accélérée en vie de femme. Comme si, toi qui veux être chirurgienne, il te fallait passer tes examens médicaux en 1 an au lieu de 8. On dit que si les femmes se rappelaient les douleurs de l'accouchement, elles n'auraient jamais de deuxième enfant. Remède à la surpopulation de la planète, la mémoire des mères. Mais moi, pour ne pas oublier mes douleurs, je les ai écrites. Et effectivement, c'est resté fille unique. Sais-tu que jusqu'à ta naissance, mon seul autre séjour à l'hôpital était à l'occasion de la mienne, 27 ans plus tôt. On est dans le noir. Véro, la sage-femme, prévoit ton arrivée pour le petit matin. Il n'est que 22h30. Xavier me tient la main. Il veut savoir à quoi ressemblent les contractions. Comment lui décrire les sensations d'un organe qu'il ne possède pas? Ça ressemble un peu aux crampes des règles, je lui dis, mais bien sûr, il ne connaît pas ça non plus. Il me masse le bas du dos. Mon corps comme une falaise, les contractions comme de hautes vagues venant se jeter contre elles. Du temps passe. Commencent alors d'atroces douleurs dans les reins et toute comparaison avec les crampes des règles s'évapore. À présent, sous l'assaut des vagues, la falaise s'effrite, ploie et s'effondre. Du temps passe. La sage-femme me palpe pendant la douleur pour savoir où est ta tête et à partir de là, je crie. Crie d'amour, crie d'animaux, ahannement, exclamation. De plus en plus fort, je crie parce que, Eliria, dans mon rapport au corps, j'ai toujours prisé la fermeture, le resserrement, la retenue et que là, je dois renverser cette image et souhaiter la béance. On me demande si j'ai envie de pousser, j'en sais rien. Je sais juste qu'il n'y a plus de répit entre les contractions. Elles ne font plus qu'une, interminable. Ce n'est plus la douleur qui est en moi. C'est moi toute qui suis en elle. De ma vie, je n'ai imaginé pareil enfer. J'essaye de penser à toi, Eliria, de t'imaginer là-dedans. Je sais que si je n'y arrive pas, tu vas commencer à souffrir. Je ne te sens pas. Tout ce que je sens, c'est l'horreur. L'horreur qui continue. J'aurais tant voulu trouver au cœur de cette expérience un mot inconnu des dictionnaires, mais immédiatement reconnaissable par toutes les mères. Hélas, le mot en question n'existe pas. L'accouchement est vie pure, hors langage. Tu es presque là, Eliria. Je commence à croire à une femme possible. Je saigne, prends de l'air et pousse. Véro, tire. Tu viens et Xavier de s'exclamer tout bas. Elle est née, la divine enfant. Il dit qu'à ce moment-là, mon visage se détend complètement, s'entoure d'une auréole et se met à rayonner d'une joie indicible. On te pose, rouge, bleu, gluante,
sur mon ventre. Tu pousses un petit cri juste pour qu'on sache que tu respires. Je dis, c'est toi, ma petite Elyria. Et c'était toi. C'est terminé, Elyria. Je ne serai bientôt plus là, tu le sais, n'est-ce pas? Mathieu dit qu'on n'a pas encore tout essayé, que je peux encore guérir, mais moi, je n'y crois pas. Les médecins non plus. C'est con. Je ne serai sûrement pas là pour ton entrée au lycée à l'automne. L'an dernier, au moment du diagnostic, après le frottis suspect et l'arrivée dans ma tête des mots comme dysplasie, conisation, exérèse. Mais avant qu'on comprenne que c'était déjà foutu, qu'il y avait déjà eu trop de métastases, j'ai eu un dialogue édifiant avec une des oncologues. Autrefois, vous savez, on appelait ça le cancer des putes. Tiens, oui. Aujourd'hui, on dit juste que l'incidence est plus élevée chez les femmes à partenaires multiples et nulle parmi les bonnes sœurs. Ah bon? Le col serait donc là à compter, à ausculter, c'est ça que vous voulez dire? Attends, ce pénis-là, est-ce bien le même que celui d'hier? Non? Je me disais bien. Alors voyons, ça fait 18 pénis différents ce mois-ci? Waouh, je m'en vais faire proliférer quelques cellules pour fêter ça? Non, 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 c'est une histoire de probabilité, madame. Plus on a de partenaires, plus on risque d'en croiser un qui trimballe le papillomavirus humain. Ah, ok, vous ne dites pas du tout ça pour culpabiliser les femmes délurées. Mais nous voyons quelle idée. Notre société a évolué. Si vous tenez à vous culpabiliser, essayez la cigarette. Elle multiplie par 4 le risque de cancer du col. Ah, super. Maintenant, je me sens et malade et coupable. Il faudrait que je me mette à boire pour oublier. En tout cas, Elyria, tu as été une enfant désirée. Je te le promets. Même si Xavier s'est éloigné quand tu étais encore petite, même si tu n'as pas le souvenir d'avoir vécu avec tes deux parents, ne va pas t'imaginer que c'est toi, ton arrivée, qui nous a séparés. Au contraire, tu nous as rendus plus proches que jamais. On avait vraiment envie que tu naisses. Cette fois, c'est même très possible, disent les médecins. Et au lieu de l'exaltation, c'est la peur que je ressens, toutes les peurs. Peur que ça échoue d'abord. Peur que ça réussisse ensuite. Et que je sois entraînée sur des milliers de pistes prévisibles et abhorrées. Désormais, je serai repérable. On me prendra résolument en charge en tant que femme enceinte. Que je le veuille ou non, Xavier deviendra mon époux. Je passerai 10 heures dans des salles d'attente avec d'autres femmes enceintes. Je remplirai des centaines de formulaires. J'achèterai mes robes et soutiens-gorge dans les boutiques Future Maman. Je réduirai ma consommation de tabac et d'alcool. Je sourirai bêtement et béatement aux félicitations exprimées par des connus et des inconnus. Peur de l'accouchement, bien sûr. Mais peur aussi de tout ce qui viendra après. L'organisation de mon temps par Xavier. La constitution d'une famille, papa, maman, bébé. L'achat, là encore, de tout ce qu'il faut. Y a-t-il un domaine avec plus de « il faut » que la maternité? L'armée, peut-être. Les gestes obligatoires, sans singularité aucune, répétés à l'infini. Que diable suis-je allé faire dans cette galère? Pardon de t'avoir traité de galère, chérie. À ma décharge, je ne te connaissais pas encore.
j'ignorais tes qualités incommensurables. Au moment où j'ai écrit ces pages, ta tête était grosse comme une tête d'épingle. C'est oui. Échographie hier. Nous avons vu des pulsations presque imperceptibles, ondulant vaguement comme des plantes aquatiques. J'ai eu envie de pleurer. Cela est en moi. Cela est moi. Cela va suivre son cours et devenir une personne, un être humain que je regarderai dans 20 ans et en me souvenant avec stupeur de son image à l'écran, miraculeusement petite et incontestable. Bon, pour finir, je ne vais pas te regarder comme ça en 2022. Mais je suis quand même Baba, Lily. Sincèrement, ta présence me sidère. Que voulait dire Nietzsche en écrivant « Il faudrait vivre comme une femme enceinte » ? Qu'ont-elles su les mères au long des millénaires en s'abstenant de le dire ? Aussi le sentiment de transgresser par mon regard un tabou, voir la perfection mystérieuse et animale de la vie, d'avant la vie. Et l'échographie a achevé de me convaincre. Il ne s'agit pas d'un retard de règles accompagné d'obésité, mais bel et bien d'autre chose, la chose la plus autre que j'ai jamais connue. Je refuse d'abandonner mes pitreries pour devenir respectable. Pour le restant de mes jours, je tiens à faire des gestes et des grimaces qui ne sont pas ceux d'une mère. Héler les gens au loin avec de grands signes de la main, danser comme une démente, sauter par-dessus les bornes, courir sur les murets. Quand le nabo, comme l'appelle Xavier, se mettra à me donner des coups de poing de l'intérieur, je ferai de la boxe avec lui. Ton père a toujours voulu me calmer, Elyria. Il m'aimait, mais il voulait me calmer, me protéger, me rassurer, m'entourer d'ouates. Une fois, je lui ai dit, je suis la foudre jaillissant du nuage qui est toi. Je crois qu'il n'a pas trop apprécié. Je ne lui avais rien caché de mon passé amoureux. Enfin, rien, c'est beaucoup dire. Amoureux aussi, c'est beaucoup dire. Homme de son temps, courageux ou volontariste, il m'a accepté avec cet encombrant bagage. Du moins, le croyait-il. Il a fait un drôle de rêve pendant ma grossesse. Je me rappelle. Dans le rêve, il venait d'être nommé professeur à l'université. À la réception, en son honneur, entouré d'une bande d'intellos conservateurs, complet veston-cravate, il était mal à l'aise. J'arrive, bien sapée, maquillée. Il me prend par le bras en disant aux autres, je vous présente mon épouse. Et se décompose en un instant lorsque, tout en serrant la main du président, je murmure, vous m'excuserez, je suis un tout petit peu pressée parce que je dois me préparer pour mon travail de call girl. Il a ri en me racontant cette histoire, ce rêve. Mais je me suis abstenue de le commenter. C'est quand je te portais que j'ai trompé ton père pour la première fois. Nobody's perfect, hein? Il y a des femmes fidèles, il y a des femmes infidèles. Voilà, je fais partie de la deuxième catégorie, mais bon, c'est pour mieux faire sortir la vertu de la première. Si toutes les femmes étaient fidèles, il n'y aurait pas de quoi se vanter. Ce serait comme se vanter d'avoir deux bras. Regarde, j'ai deux bras. Ce n'est pas que je ne crois pas à l'amour, Elyria. C'est juste que pour moi, l'amour, c'est comme Dieu. Je le préfère au pluriel.
qu'il s'agisse de gami ou de théisme, j'aime mieux poli que mono. Et de loin, affaire de goût. Xavier n'était pas fidèle non plus, mais a-t-on déjà vu lapider le mari adultère? Hein? Non. Alors, c'est malin. Je ne sais plus où aller ou à partir de là. Devenir parent nous oblige à penser à nos parents. Terminer les pieds de nez à la famille, à la lignée, de quels prénoms, de quelles histoires Xavier et moi allons-nous encombrer notre enfant à naître? Le nom Ariane me vient de ma grand-mère paternelle, que mon papa adulait et qui est morte peu avant ma naissance. Heureux hasard, c'est aussi le premier choix de ma mère. Maman pensait surtout à Ariadne, la merveilleuse araignée de Louise Bourgeois. Tisserande, industrieuse et méthodique, patiente et puissante, femme qui rafistole, recourt, répare, rassure. Mais en m'appelant Ariane, je crois qu'elle voulait aussi me faire comprendre que j'aurais à dévider mon propre fil, à tracer mon chemin à moi dans le labyrinthe du désir des hommes. Dilemme qui se pose à toute mère quand sa fille, comme toi en ce moment, Eliria, sort de l'enfance et entre dans le regard des hommes, comment la mettre en garde sans lui faire peur? C'est peut-être impossible au fond. Aujourd'hui, je me dis que ma mère ne m'a pas rendue assez méfiante. Elle aurait mieux fait de me faire peur. Elle m'a mise en garde, certes, mais gentiment, comme toutes les nanas babacool de son millésime, tout juste majeure en mai 68. Elles étaient persuadées que leur génération avait inventé la jeunesse, que le « All you need is love » des Beatles allait se répandre sur toute la planète et que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les femmes vivent, les femmes jouissent, les femmes dansent, les femmes désirent. Vive la contraception et l'IVG. Notre corps nous appartient, youpi! Ben non, c'est pas suffisant en fait. Je dirais même plus, ce n'est pas sérieux. Leur goût féroce de la liberté les a aveuglés. Elles avaient lu Nine, Friedan, Beauvoir, mais pas Darwin. Lis Darwin, Eliria. Au cœur du labyrinthe vit Astérios, le Minotaure. Il n'y a pas de meilleur emblème du désir masculin. On pense tout de suite à Picasso, mais Dürrenmatt en a fait lui aussi une série de dessins émouvants. Dans l'un d'entre eux, le labyrinthe est un palais de glace cauchemardesque, et le pauvre monstre erre dans les couloirs, épouvanté, se heurtant partout à son image, sa propre image, se faisant peur à lui-même. Dans un autre, le Minotaure est couché sur le dos et Ariane le chevauche. On dirait qu'elle s'apprête à l'attacher avec le fil de sa pelote pour une scène d'amour SM. N'étant pas vraiment férue de mythes grecs, ma mère ignorait probablement ce fait crucial. Astérios et Ariane étaient frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs. Oui, Eliria, les hommes sont nos frères. On ne peut pas se détacher d'eux, c'est impossible. On ne peut qu'avancer avec eux en tâtonnant, en trébuchant et en tombant. Sans chute, on ne devient pas quelqu'un d'intéressant. Aime-toi, même à terre. Voilà peut-être mon seul conseil sérieux, ma seule sagesse. Ne te déteste pas.
comme moi je me suis détestée. On oublie. On oublie. Et heureusement. Pourtant, je l'aimais, Xavier. Dans la mesure où, à 30 ans, j'étais encore capable d'aimer. Tu vois, Lily, avant de rencontrer ton père, j'étais déjà... Comment dire ? Vieille. Déjà pas super bien dans ma peau. Il y avait ma peau, mes os. Et moi, je vivais en quelque sorte à l'extérieur de tout ça. Je vis en bonne entente avec la mort. Ce mot revient tel un battement, scandant les syllabes précipitées par lesquelles je laisse affleurer dans ma tête ce que partout ailleurs je tais. Je mène un combat précis, une lutte pour ainsi dire méticuleuse, contre la matité, contre l'étouffement. Je charrie la mort dans mon corps, je ne suis pas dans le ricanement, qui relève lui du cynisme, mais dans le rire destructeur. Vous pensez que ça me rive à la vie, tout ce que je fais, tout ce que je dis, toutes mes amours, tous mes amis, pas le moins du monde. Oui, le leitmotiv tranquille de mon existence est l'obligation d'y renoncer. Pourquoi ? Pas de pourquoi. Une évidence. Je ne puis accepter la vie qu'à petite dose bien mesurée. C'est pourquoi je mets un soin infini à découper la nourriture, le temps, à mordre dans une demi-pomme, une demi-heure. À bien mâcher parce que il faut bien mâcher, à faire travailler les mâchoires et les méninges, à subdiviser les mais et les minutes et à les avaler consciencieusement. C'est bien, c'est parti, j'ai fait mon devoir. La nourriture, le temps sont passés. Comment supporter d'être dans le temps? Étant contrainte de vivre, je veux vivre le plus rapidement possible et en avoir fini. Faire une chose à la fois est inconcevable. Ainsi, le même temps devient quatre temps, me donnant l'illusion d'avoir vécu et souligné et souligné et souligné ce vécu-là, comme si, menacé d'être étouffé par le temps, il me fallait investir mon énergie à le quadriller. Des règles strictes gouvernent tout ce qui touche à l'entretien du corps. Je le transforme en objet. Quant au sommeil, c'est la perte de temps par excellence. Je suis debout à l'aube, même quand je n'ai rien à faire de la journée. Le jour, je suis crispée en permanence et cette crispation me tient lieu d'énergie vitale. Si mon corps est toujours un peu inconfortable, je saurai qu'il n'a pas lâché, pas encore disparu. Et cela va presque de soi, l'idée de l'enfantement m'écœure. C'est déjà suffisamment affolant, cette vie qui m'habite sans que j'aie pu la choisir et qui avance malgré moi en transformant mon visage et mes pensées. La transmettre à autrui relèverait du monstrueux. «
Je ne veux surtout pas être perçue comme une victime. Alors, je vis, jouis, danse, désire, toujours avec ces mots entre guillemets, avec tous mes mots et gestes entre guillemets. Je sors dans la rue, offre mon corps au regard des autres et découvre avec un étonnement indéfiniment renouvelé l'autre versant du corps-objet. Cette minceur cultivée pour rester près de l'os, près du nerf, est esthétique. Elle suscite sifflement, remarques et compliments. Ainsi, peu à peu, je comprends les jeux de projection qui engendrent la figure de la femme fatale. Sa vraie victime n'est pas l'homme qu'elle séduit. C'est elle-même. C'est son propre corps. Si seulement mes larmes pouvaient couler avec la même fluidité, la même indifférence que le sperme du jeune homme qui m'a suivi en silence à travers la cour. L'ayant entendu monter les marches à ma suite, je me dis tout de suite qu'il ne faut pas être parano, que d'autres habitants de l'immeuble ont le droit de rentrer à minuit et demi exactement. Et que s'il y a un vrai problème, la gentille dame du quatrième me viendra en aide. Je décide que si je n'ai toujours pas entendu une clé tourner dans une serrure une fois arrivée au quatrième, je cesserai de gravir les marches. Les pas qui me suivent ne font pas un bruit naturel. Sur le palier du troisième, m'enjoignant à nouveau de ne pas être ridicule, je me retourne et aperçois une veste en cuir et un blue jean. Le visage est jeune, le regard clair. Je décide de faire semblant de m'être arrêtée pour reprendre mon souffle et de laisser passer le jeune homme. Puis ses mains sont sur sa braguette et la chair est à l'air. De sa gorge sortent des gémissements étranges. Il vient se frotter contre mon manteau en me suppliant à voix basse de le sucer. Lâchant un grognement écœuré, je monte d'encore un étage, me retournant juste à temps pour le voir se répandre. Je reste là, à fixer l'éclaboussure sur les marches à mes pieds, tandis que ses pas dégringolent l'escalier et que la porte d'en bas se referme. Ce n'est que lorsque je reprends la montée que mon corps se met tout seul et de la tête aux pieds à trembler. À quel moment commence l'horreur? Au coup de fil reçu par la standardiste. Très bien, monsieur, vous viendrez à 4h15, c'est entendu, et noté dans le livre de rendez-vous. À l'entrée de l'homme dans la salle de réception, feutrée. À la confrontation des corps en uniforme. Le sien a lui un costume gris d'homme d'affaires. Le sien a elle une tunique blanche d'infirmière. Au geste discret
par lequel il l'a choisi, à la remise préalable d'un billet de sang au directeur des lieux. Il la précède dans la grande pièce ténébreuse. Ayant terminé sa cigarette, elle regarde sa main droite écraser le mégot dans le cendrier tenu par sa main gauche. Les suivre, ses mains. Savoir de quoi elles sont capables. Elle maîtrise aveuglément le clavier d'un ordinateur, exécute à la perfection les gestes requis pour abaisser une pâte à tarte, se glisse avec une compréhension innée le long du corps de son amant. Maintenant, elle s'appuie contre une porte qui cède sans grincer. L'homme s'est dépouillé de sa carapace. Tel impatient dans l'attente du chirurgien, il est allongé nu sur la table d'opération. Un lit étroit et surélevé et ne la regarde pas. Dans la pièce flottent des parfums légers et exotiques, encens, huile et poudre. De ces dernières, les mains s'enduisent lentement. Elle s'applique ensuite aux épaules musclées, creuse le gras du dos pour sentir les côtes, pétrisse la chair autour de la taille. Le corps se met à parler. Elle ne l'écoute pas. Avec les odeurs flottent dans l'air des mots incolores, amorphes. Ses mains continuent de bouger et elle les regarde. Les doigts s'étirent, se crispent, s'enfoncent dans la peau, laissant des marques blanches qui rougissent un instant plus tard. Quand l'homme se retourne lourdement, les mains attendent que son mouvement se termine. Le visage ne répond pas à son sourire, à la fois gêné et avide d'affection. La mâchoire demeure rigide. Seules les mains ont un devoir de mobilité. À quel moment commence l'horreur? Au massage minutieux de la poitrine, des genoux, des cuisses, au pénis dressé que les mains recouvrent de talc rosâtre, à l'évanouissement de la parole de l'homme, peu à peu remplacé par des halètements, aux gestes tendres exécutés sans tendresse, au mouvement amoureux qui manque d'amour, au rituel dont les symboles ont été vidés de leur sens. Les mains se détachent d'elle. Elle ne les possède plus. Elles ont été vendues. 50 francs chaque, 10 francs le doigt. Ses doigts pourront-ils encore lui appartenir? Traduire ses désirs, caresser le poil d'un chat, porter une pomme jusqu'à sa bouche. Abrutie par l'indifférence, ses mains esclaves ne deviendront-elles pas traîtresses, à jamais infidèles? La peur lui serre la gorge. Et l'homme qui a les yeux fermés, quelles images fait-il miroiter sur l'écran de son cerveau, tandis que ses yeux à elle sont braqués sur ce réel ahurissant? Ses mains qui lui échappent, se font machines, agissent par automatisme, suscitent un plaisir qu'elles ignorent, feignent la frénésie, meurent dans la mimique même de la vie. Le giclement a eu lieu. Les mains se tendent, prennent une serviette, essuient le ventre, plus machinalement qu'une mère les fesses de son bébé, se lave ensuite au savon sous un robinet. Derrière la femme, les paroles reprennent, mais elle est silence désormais, son corps un bloc de silence, enveloppé de peau. Plus tard, les mains accepteront un chèque en guise de dédommagement. À quel dieu ont-elles été sacrifiées?
Et depuis longtemps déjà, elle était amoureuse de lui. Une seule fois, alors que debout dans l'embrasure de la porte, ils se disaient au revoir les yeux dans les yeux, la grande main brune de l'homme avait frôlé le visage de la femme fillette avec une douceur inouïe, comme si l'on se fût servi d'un marteau pour balayer une plume. Elle avait continué de couler son regard vers lui, en lui, en répétant tout bas « Je t'aime. Permets que je t'aime à jamais. Aime-moi, je t'en supplie. Il n'y a que toi au monde. » Et, retirant doucement sa grande main du visage, jeune et lisse, l'homme s'était éclipsé. Elle est allongée sur le dos et il la chevauche, se dressant au-dessus d'elle dans le noir, tout de son nu. Il la frappe. Qui a voulu que cela se produise? Il croit qu'elle veut qu'il lui fasse mal. Il se sert d'elle, une novice, pour s'initier à ce qui est possible. Elle a donné son accord. Il la frappe, soigneusement, mais de toutes ses forces. Légère comme le vent, les grandes mains de l'homme se déplacent sur le visage de la jeune fille et s'abattent soudain sur sa joue quand elle s'y attend le moins. Il évite de la frapper aux oreilles. Il l'encourage à pleurer. Elle avait cru qu'il lui incombait d'être stoïque et silencieuse, que son amant l'autorise à pleurer provoque en elle un effondrement. Chaque gifle déclenche un cri et dans les intervalles, alors que reprennent les caresses suaves, elle sanglote de façon incontrôlable. Lui murmure à voix basse le prénom de la jeune femme, mais il ne s'arrête pas et elle ne comprend pas pourquoi. Elle compte les coups. 7 sur la joue droite, 8 sur la joue gauche, maintenant 9 à gauche. Les intervalles sont de longueur variable, allant de 5 secondes à 2 minutes. La douleur des gifles est à la fois aiguë, la peau lui brûle, lui pique, et sourde. On dirait une porte qui, dans sa tête, s'abat de tout son long. Le monde valse. Fermant les yeux, elle voit des feux d'artifice. Les rouvrant, il est là qui se dresse au-dessus d'elle, le visage dans l'ombre, les mains se déplaçant sur ses joues. À chaque mouvement inattendu de ses mains, elle sursaute violemment. Dans sa bouche se mélange le goût métallique du sang et celui salé des larmes. À force de se tordre en tous sens, elle a les cheveux emmêlés, noués. Il ne s'arrêtera donc jamais. Il la tue, la défigure. Elle ne sera plus jamais belle. Elle crie encore et encore. Enfin, il se termine. Il termine. Il s'effondre sur elle en larmes. Une semaine à peine avant d'apprendre mon diagnostic, j'ai fait une conférence à l'université. Un éloge du polythéisme, justement. La mythologie grecque contre les testaments, tant l'ancien que le nouveau. Les Grecs, eux, au moins, savaient que l'être humain relevait à la fois du divin et de l'animal. Dans leur mythe, les dieux copulent avec les humains et les humains avec les bêtes. Leur progéniture est bâtarde, bizarre, monstrueuse, et n'a qu'à se débrouiller avec ça. Comme nous tous. Comme nous tous. Mais oui,
centaure, minotaure, sphinge, griffon, sirène, être à la fois mortel et immortel, tout-puissant et stupide. Funeste, désastreux, le retournement qu'opère l'Église catholique, décrétant l'homme seul sur la terre, radicalement coupé tant des bêtes que des dieux. Là où les dieux grecs se jalousaient, se trahissaient allègrement, se jetaient sur les beaux corps jeunes avec concupiscence, se vantaient, s'inquiétaient de perdre leur pouvoir, chez les cathos, hélas, de Dieu, il n'y en a qu'un. Pire, il est parfait. Pire, l'homme est fait à son image au lieu de l'inverse. Résultat des courses, aberration en série. Prêtre chaste, mère vierge, Marie fidèle, chimère mille fois plus invraisemblable que les sphinges ou les centaures. Quelle zizanie on aura semé avec ça. Quelle zizinie plutôt. Dès lors, le désir ne pouvait passer qu'en catimini, dans la honte et le secret, la noirceur du tabou sur le corps des gamins et des putes. Bon, j'ai blablaté une heure et des poussières sur tous ces thèmes. Après les applaudissements et les questions-réponses de rigueur, mes collègues m'ont invité à dîner dans un bistrot voisin. Je sentais que mes propos avaient remué l'auditoire. J'étais heureuse, détendue et morte de faim. Parmi les convives à notre table se trouvait un vieux beau, un chapeau feutre, l'ami d'un des invitants, clopant et picolant. Vrai loque, loquace, bohème et décati, il m'a agressé aussitôt. Alors, madame la professeure, contente? Il y avait du monde? Votre conférence a été appréciée? Je l'ai fixée en souriant, mais sans répondre. Vous êtes amoureuse? Me demande-t-il alors. Oui. De qui? D'un avocat marseillais. Ah, personne n'est parfait! J'ai haussé les épaules. Voilà longtemps, Eliria, que je ne me laisse plus démonter par des machos minables. Je ne me dis même pas tout bas, c'est un con fini, je veux juste ne pas m'en occuper. Alors, lui tenant le dos, j'entame tranquillement une conversation avec la dame assise à mes côtés. Une heure s'écoule. La table et mange et boit, discute, s'amuse, et pendant tout ce temps, je sens dans mon dos le regard colérique et endolori du monsieur au chapeau feutre. Comme ça, me lance à un moment donné la directrice du département d'études de genre, vous préférez une religion où les dieux violent les humains à une religion qui proscrit radicalement le viol? Non, ai-je rétorqué, je préfère une société lucide à une société hypocrite. Les abus sexuels existent partout, même dans les religions les plus puritaines, les Ménonites par exemple, ou Daesh. Qu'une femme porte la mini-jupe ou le voile, elle a peu de chances de s'y soustraire. Ah, Eliria, j'avoue que je me suis emportée ce soir-là au bistrot. Il faisait chaud, j'avais pas mal bu, et les mots me glissaient sur la langue. Oui, je suis persuadée que chaque fillette, ou presque, fait l'expérience déroutante, déstabilisante d'un désir qui non seulement ne tient pas compte du sien, mais qui ne lui est pas spécialement adressé. À elle, personnellement. Et cette expérience laisse des traces. Septuagénaire Annie Ernaux revient dans Mémoire de fille sur l'été de ses 17 ans, où elle a reçu un giclement de sperme en pleine bouche sans bien comprendre ce qui se passait, mais en essayant de croire que le gicleur l'aimait. Cette scène a été décisive dans sa vie de femme et d'écrivaine. Les hommes baisent et s'endorment, baisent et passent à autre chose, baisent et partent à la chasse, à la guerre, à la bourse. Les femmes cherchent à comprendre ce qui leur arrive. Ravie ou scandalisée, les autres m'écoutaient. Mais soudain, le vieux beau m'a interpellée. Vous qui savez tant de choses, vous pouvez m'aider à retrouver l'homme qui a violé ma mère quand elle était enceinte de 7 mois?
tout s'est arrêté net. Me tournant vers lui, je lui ai demandé à voix basse de nous en dire plus. Sa mère lui avait raconté la chose quelques années plus tôt, alors qu'elle se mourait d'un cancer. Au moment du viol, c'est lui, cet homme-là, devenu éthylique, méchant, désespéré, qui était lové au cœur de son labyrinthe. Jamais il ne s'en remettrait. Ses douleurs, Elyria, ses douleurs. Si nous pouvions, nous les femmes, dénoncer les hommes, les traîner en justice, les enfermer, les punir, mais nous ne le pouvons pas, car ce sont nos fils. Sais-tu de qui le Minotaure était le fils ? Monstre. Astérios est né de la bêtise humaine, de la jalousie et de la faiblesse humaine. Pasiphae, sa mère, était la fille du soleil et de la nymphe Crète. Elle avait donné à son époux, le roi Minos, beaucoup d'enfants, dont Ariane et Phèdre. Or, il faut du temps pour fabriquer des enfants. On ne peut pas donner à un homme beaucoup d'enfants et être encore jeune, c'est mathématiquement infaisable. Minos se met à tromper Pasiphae, non seulement avec d'autres femmes, mais aussi avec de très jeunes hommes. Après s'être longuement ennuyée, Pasiphae, à son tour, va voir ailleurs. Et il faut dire qu'elle fait fort. Mue par le désir de vengeance, ou le désir tout court, elle s'entiche d'un magnifique taureau blanc, offert à son mari par Poséidon, dieu de la terre et des mers. Mais comment faire pour attirer à elle l'objet de ses gémissements ? Pasiphae va voir le génial Dédale, qui est non seulement artiste et artisan, mais architecte, ingénieur, forgeron. Surtout, c'est un exilé, banni d'Athènes jadis pour avoir tué son propre neveu. Pasiphae fait donc part de son dilemme à Dédale. Celui-ci l'écoute attentivement, se gratte la tête et a une idée. Avec du bois, il fabrique une vache creuse qu'il monte sur quatre roues et recouvre d'une vraie peau de génisse. Il ne reste plus qu'à aider la femme en chaleur à se glisser à l'intérieur et à attendre. Pasiphae nous informe pudiquement, le mythe obtient satisfaction. Voilà l'accouplement contre nature dont est issu Astérios. Il grandit dans le ventre de Pasiphae. Pourquoi naît-il avec une tête de bête et un corps d'homme au lieu de l'inverse, tel le centaure ou le satyre ? L'histoire ne le dit pas. Dès sa naissance, son beau-père Minos le prend en grippe. Son existence lui rappelle en permanence la honte d'avoir été trompé par sa femme. À Dédale, qui a facilité les dessins de Pasiphae, Minos donne l'occasion de se racheter. Il doit construire un palais en forme de labyrinthe et inextricable, avec des milliers de couloirs savamment agencés, et s'y enfermer et y enfermer le Minotaure à vie. De réchef, Dédale obtempère. Après avoir favorisé la conception d'Astérios, il l'enferme dans un lieu d'où il ne verra jamais le soleil et où il n'aura jamais de compagnie. Seul, jour après jour, année après année, pauvre Astérios rugit et verse des larmes de vitriol. Fou de rage, il exige qu'Athènes lui livre chaque année la fine fleur de la jeunesse athénienne, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes. Quand ils arrivent, le monstre se jette sur eux et les dévore. Pourquoi ne pas l'avoir assassiné tout de suite ? Alors qu'il n'a pas demandé à naître, il ne s'est rendu coupable d'aucun crime, pourquoi l'avoir condamné à des décennies d'emprisonnement ? Même sa mère, Pasiphae, ne cherche pas à le sortir de cette impasse. Elle a voulu son plaisir, elle l'a pris,
Et quand il porte ses fruits, elle les balance à la poubelle. Pensée atroce pour Astérios, insupportable. Et le pire est encore à venir. Un temps, pour être certain que Dédale n'oublie jamais qui est le plus fort, Minos le fait enfermer dans son propre labyrinthe avec son jeune fils Icare. C'est un sale gosse, cet Icare. Il a plein d'idées, comme son papa, mais dans le genre tordu, vachard. Et quand Dédale, l'astucieux, fabrique des ailes pour ce fils et pour lui-même, qui vient ouvrir la porte pour leur permettre de s'envoler? Qui les libère? Vous l'avez deviné, Pasiphae. Subtilisant la clé à son mari, elle fait nuitamment le voyage jusqu'au palais, terrifiant. Et alors que son fils, elle sait que son fils est attaché à un pieu dans la pièce centrale, elle ne vient même pas lui caresser la tête. Mais pendant ce temps grandit également sa demi-sœur, Ariane, jeune fille vive et curieuse, excellente danseuse et acrobate, et ayant entendu parler de l'affreuse bête qui croupit au centre du palais de Knossos, elle désire en savoir plus. C'est encore Dédale, l'infiniment serviable, qui, ayant recouvré la liberté, lui montre comment trouver son chemin dans le labyrinthe à l'aide d'une pelote de laine. Ainsi, Astérios reçoit-il la visite d'Ariane un jour, et elle n'est pas comme les autres. Elle l'écoute. Elle lui permet même de poser la tête sur sa poitrine et de l'inonder de ses larmes. Du coup, il peut raconter son histoire. Choquée par l'égoïsme et la cruauté de leur mère, Ariane décide de tout faire pour en atténuer les effets. En se servant de la pelote, elle revient voir Astérios encore et encore, toujours dans le secret, dans la nuit. Elle chante et danse pour lui. Elle le berce et le console. Elle devient la joie de son existence. De jour comme de nuit, Astérios vit avec la pensée de sa demi-sœur. Quand elle n'est pas là, elle est encore là. Mais le destin s'acharne contre lui. Un jour débarque d'Athènes un prince en mal de gloire pour assurer la pérennité de son nom. Il a juré de mettre fin au sacrifice annuel des 14 jeunes en tuant le Minotaure. Le prince se nomme Thésée. Dès qu'Ariane pose les yeux sur lui, c'est le coup de foudre, la catastrophe. Ariane trahit Astérios par amour pour Thésée qui ne l'aime pas lui, ne la mérite pas, ne promet de l'épouser que pour parvenir à ses fins. Elle donne au prince fourbe la pelote de laine qui lui permettra de retrouver le Minotaure, de l'égorger et de ressortir sain et sauf du labyrinthe pour cueillir les lauriers du héros. Astérios hurle à l'injustice. Les humains sont inconstants, égoïstes et indifférents. Ils l'ont fait naître et mourir pour rien. Ils hurlent à l'injustice. Ceci est Lyria, tu ne dois pas le voir. Non, je refuse. Je ne le ferai pas, c'est tout. Pardon, Lily. Pardon. Ce que j'aurais voulu te transmettre est finalement intransmissible. Il en va ainsi depuis la nuit des temps. Il en ira toujours ainsi.
Les hommes agissent, provoquent des tragédies et en écrivent. Nous autres femmes hésitons et réfléchissons. Nous avons moins tendance à nous jeter dans l'action à corps perdu, car nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre, le corps. Nous détenons un savoir qui ne saurait s'enseigner. Les autres entrent en nous, éclosent en nous, vivent sous notre peau. Oh, Elleria, quand les hommes nous font l'amour, leurs terreurs deviennent notre chair, leurs délices aussi. Nous sommes trop mêlés à eux. Même quand la baise se passe bien, merveilleusement bien, touche à l'extase, c'est déroutant, déconcertant. On ne s'enfonce pas dans le sommeil après, tout de suite, à la manière des hommes. Un autre est entré en nous, nous a tambouriné de l'intérieur, nous a remué de fond en comble, c'est secouant, vivifiant, chamboulant. Ils viennent au-dedans de nous, l'homme et l'enfant. Ils nous habitent. L'homme passe un coup de vent, l'enfant s'incruste. Constamment, nous devons faire attention à ne pas concevoir de bébé si nous n'en voulons pas. Ou le bébé conçu, à le protéger. La pilule ne change rien à l'affaire. Nous devons quand même faire attention. Nous laver avant, après. Car nous sommes poreuses, ouvertes sur le monde. Donc vulnérables à ces dangers. Viol, infection, agression, grossesse, cystite, mycose, sida. En nous mijotent mille et mille substances. Et soudain, pieux de l'homme, doigts, langue, pieds du bébé, tête, ouf. Ce qui dans un animal était sang et obscurité a grandi en nous pour devenir âme et continue de crier comme une âme. Cela restera et doit rester indicible. Une mère ne saurait le dire à sa fille, ni une femme à une autre femme. Chacune doit le découvrir pour elle-même. Ce que je te laisse, Elleria, rien d'autre que cette